Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vient de dire là? Avant que la neshama descende dans le corps, ici-bas, elle est dans un endroit qu'on appelle, comme elle vient de décrire, comme Otsar Aneshamot. Otsar Aneshamot, it's called the treasure house, ou la maison des trésors. Où les neshamot ils sont, avant de descendre ici-bas. Non. C'est quoi cet état de chesed? C'est dans cette séphira-là que se situe la neshama avant de descendre ici-bas. Ok? Un état de chesed, or de blissful tranquility, or de. Une sérénité profonde. Or, there is no contradictions. Il n'y a pas de contradiction. Ici, dans le treasure house, la neshama, il n'y a pas de contradiction là-bas. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Et il n'y a pas de limitation. She's undefined. Elle est indéfinie. Elle est une continuité où tout est fluide. Il n'y a pas de besoin. C'est comme un bébé dans le ventre de sa mère qui, il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de défi. Tout lui est fourni par sa mère. Il a la tranquillité. Il a this blissful tranquility. Blissful tranquility, c'est Le sérénité profond. Bidieu. Non, Bidieu. That was exactly it. That's the exact transition. Or, if you want me to sound American, profound serenity. No. You make it to Toronto eventually. Dans la maison des trésors, la neshama elle est dans cet état de chesed. Chesed, c'est giving with no boundaries. Que Hashem il nous donne, la neshama elle est une parfaite continuité de la divinité, de la source créatrice du monde. Et ben, dans cet état-là, la neshama elle est une parfaite continuité. Il n'y a aucune contrainte. Il n'y a pas d'anxiété ni de défi. Mais s'il n'y a pas de défi, il n'y a pas de sense of accomplishment. Il n'y a pas un sentiment d'accomplissement. Et s'il n'y a pas de sens d'accomplissement, il n'y a pas de plaisir. Ok? So, this state of chesed, that's what we're going to speak about now. Just a second to see if he's discovering. Ok, so now this is next stage, but you need to read it. Okay, Gary, you need to read it. If you can, you're good. The stages of life's way can be compared to the seven basic emotive spheres. The first sphere of the heart relates to loving kindness, or chesed, chesed ahava. Taken as the unconditional offering, the pure gift granted without warrant or merit. The prime gesture of loving kindness is to bestow life itself. Everything is given automatically and freely. This depiction invites a comparison to the child and the creature. Comforts of the womb of the mother. The womb that creates. Of life purely and freely given. Another way of thinking about this chapter of one's larger life is to consider it as a non-judgmental state of being. Exactly. This is consistent with the idea of this period relating to chesed, to loving kindness. Moreover, love here acts like a blank slate or tabula rasa. Tabula rasa. Italian. Wherein our lives are undefined. Good, you got the picture, right? Vous avez compris que, ok, cet état de chesed, d'amour indéfini, ok, c'est un état de pur non-judgmental state. It's a non-judgmental state. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de jugement. Caméra où, ni Hachem ne juge, ni on n'a aucun jugement à prêter sur quoi que ce soit. Il n'y a pas de jugement de valeur. Il y a oui, j'aime ça, oui, j'aime pas ça, oui, ça me fait du bien, ça me fait du bien, oui, cette couleur ou cette nourriture. Non,
Il n'y a pas de judgmental. It's beyond, et c'est au-delà des limites, d'accord, qui limitent quelque chose. Et ici, this is what is going to be fun, because this is the full potential and everything can be. C'est-à-dire que, c'est parce que c'est un état indéfini, tout peut arriver ici. C'est-à-dire quoi, tout peut arriver? C'est-à-dire que toutes les possibilités sont permises. Avant que la neshama descende dans le corps, toutes les possibilités permises. Let's picture this scenario. So, okay, I'm telling this in English. So, sometimes a person asks himself, why was I born in this epoch, in this context, in this specific context, geographical context, in this body? Okay, why was I born in 20th century, in this specific body? Why am I not taller, or shorter, or fatter, or thinner, or smarter, or... Okay? Pourquoi est-ce qu'on est né à... Tout le monde a compris? Yeah. Okay. So one asks himself, why was I born in this context, right? So there is a specific reason, il y a une raison spécifique pour laquelle chaque juif, il naît dans une certaine époque, et dans un certain contexte, et dans un certain corps, et dans une certaine période. Pourquoi est-ce que je ne suis pas né au 2e siècle, ou au 8e siècle, ou, okay? Ou dans d'autres circonstances? Non, parce que spécifiquement, j'ai voulu, that's like you guys, right, when you're upstairs in the treasure house, we look down here, let's say, okay, there's the line of time. This is the, like, 5772 where we are today, and this is 3,500 when we received the Torah, and there is the 10th century and the 18th century and the 20th century, and we look downstairs, on regarde vers le bas, we say, oh, okay, this can be fun here, right? Let's go. Okay, but what's happening? In the Midrash, there's discussions between angels in different worlds that discuss, should it be now, should it not be now? Oh, but we have a word to say. On a un mot à dire, c'est-à-dire que Hachem, il nous pose la question. Tu veux, avant de nous poser la question, il nous dit, s'il te plaît, ne sois pas un rachat, s'il te plaît, sois un tzadik. Il essaie qu'on se donne toutes les possibilités de d'accomplir ce pourquoi on descend ici. Mais il nous pose la question, est-ce que tu veux naître? Do you want to be born? Says Hashem to the neshama before it comes down. And each one of us, we answer, yes, I want to be born. Yes, but with certain conditions. Because you're a Jew. Definitely. This is it. You have to tell Gavon Nikula. As a Jew, never accept something without negotiating. Okay? You always have to negotiate. Like Avraham Avinu teaches. Okay, so then nu tell me to yeah. Tell me when I shall stop. It's 8 before 10. Okay. I press in the middle. Press in the middle. Okay. Okay, we have 10 minutes. Oh, 10 minutes. Okay, 10 minutes. Right? So just we have 10 minutes, so I have to. I'm not sure we're gonna get to this part, but so just to make a resume, Yosef. Just to make a resume for you. Pour te faire un résumé, on parle de ces trois traits de caractère, ok, ou de trois chapitres que de trois étapes que la Neshama elle entreprend avant de descendre ici-bas. Et maintenant on a parlé de Chesed. Après éventuellement on va parler de Gemara, éventuellement et après de Tiferet. La chesed, c'est un état indéfini où le potentiel il est maximal, où tu peux décider de devenir ce que tu veux. Peintre, avocat, pharmacien, médecin, touriste, ingénieur, pêcheur, tireur d'avion, sauteur de parachute, tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. Ok ? Et ça, c'est cet état ici.
Okay, c'est un état non-judgmental, c'est un état de non-jugement, de pure liberté, like a free spirit. Okay, like a free spirit that is the fluid between Hashem and yourself, there is no clear distinction. Okay, there is no clear distinction. Okay, now we're going to go further to Gevurah. Now, the soul is coming down from the treasure house, okay, from the underneath the Kisei HaKavod, the throne of glory, and he comes down to Gevurah, and the first Gevurah, the first act of might and restraint and limit, the first Gevurah limit, it's to be embodied in a body. C'est d'être incorporé dans un corps. Ça, c'est le premier acte de Gevurah, de self-restraint, de limitation de soi-même. Ok? Il descend dans le... Et ça, c'est... Ici, c'est le Olam Abba. Ok, on peut dire. Ça, c'est le Olam Abba. Et ça, c'est le Olam Azeh. Olam, c'est avec un... Oui. Olam Azeh.